J'ai trouvé à la bibliothèque le livre Planche nette et les 77. 79 et ses éditions. Talent haut. Blanche-Neige, je sais pas, c'est Blanche-Neige 77. Ah, quand même. Il était une fois, quelque part au fond des bois, une jeune fille appelée Blanche-Neige qui fuyait une méchante sorcière. Elle trouva refuge dans une minuscule maison habitée par 77 nains. « Tu peux rester chez nous aussi longtemps que tu veux, » dirent les gentils nains. « Tu nous donneras bien un petit coup de main de temps en temps pour le ménage. » C'est quoi tout ça? Des petits yeux, des oiseaux, des chauves-souris. Des loups. Blanche-Neige comprit très vite que la vie avec les nains n'allait pas être de tout repos. Pour commencer, comment allait-elle retenir leurs 77 prénoms? Il y a Hubert, Isidore, Socrate, Cornelius, Gilbert, Arthrose, Géraldo, Knut, Flon, Arachnide, Babeur, Bibine, Bubon, Schnock, Gontran, Copec, Barbiche, Demicelle, Patchouli, Miche, Gigot, Smurf, Ignace, Barbouille, Jacotin, Gudula, Patate, Moisy, Phasme, Bernique, Moite, Kiki, Caillou, Gigot, je crois que je l'ai dit, Barbiche, Miche, Patchouli, Miasme, Nickel, Arago, Perruche, Croustade, Camembert, Plouc, Fripon, Bidet, Choucroute, Andouille, Boostify, Foutriquet, Joujou, Flétan, Rufus, Obus, Mouflet, Topinambour, Robinet, Patmouille, Remugle, Castor, Ragondin. Oh, non, c'est Ragotin, pardon. Bric-à-brac, Coco, Ratafia, Pétoche, Papote, Mignon, Abrouti, Scrognonieux, Honoré, Trivulse, Patmouille, Nulipare, Pâté en croûte, Cornichon, Fulbert, Zigoto, Rouletabille, Poutard, Scrofule, Rutabaga. Je pense que j'ai dû en oublier. Scrognonieux, je m'en doutais. Et patate. Et dans cette maison, il y avait vraiment beaucoup à faire. D'abord, la lessive. Tout chapeau. Puis, le toilettage des 77 barbes. Ils sont tous avec Ulule. Waouh. Chacun voulait une histoire avant de dormir. Son histoire du soir. Donc, elle devait lire 77 histoires. La pauvre. Au matin, tous réclamaient leur petit déjeuner en même temps, bien sûr. 77 petits déjeuners. Tu te rends compte, il y en a un qui veut un café, l'autre un chocolat. Ensuite, il fallait préparer 77 pique-niques avec 77 sandwichs et 77 jus de fruits. Et s'il y en a un qui en veut un deuxième, eh bien. Hé, j'ai pas demandé d'oignons dans mon hamburger! Blanche-Neige n'avait même pas le temps de souffler qu'il était déjà l'heure de dîner. Est-ce que l'un de vous pourrait me donner un coup de main? Et après tout ça, il fallait encore faire la vaisselle. Oh, ils sont tous partis. Aucun aide. C'est vrai, les nains étaient gentils, mais ils étaient aussi désordonnés, turbulents, bagarreurs et très très bruyants. Cette maison était un véritable cirque. C'en était trop pour Blanche-Neige. Elle décida de quitter la maison des 77 gentils nains et tant pis si elle croisait la sorcière dans la forêt. Voudrais-tu une de mes belles pommes empoisonnées, jeune fille? Donne-moi deux! Désormais, quelque part au fond des bois, une jeune fille appelée Blanche-Neige dort en attendant le prince charmant qui la réveillera d'un baiser. Ah, en fait non. Prière de ne pas me réveiller, merci. Elle rattrape son sommeil à fond. C'était le livre Blanche-Neige. Blanche-Neige, 77. 70. Non, t'es sur le tissu. Talent haut. Talent haut. Voilà.